Bonjour à toutes, à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Darkest Hour Multi. Donc on est toujours avec la fine équipe de la dernière fois. Donc on a Vaval qui fait le Royaume-Uni. On a comme allemand, on a Killer. Ouais. Et Redak, il est toujours pas là. Je suis désolé. Ah, j'ai eu un retour Windows de merde. Il reste plus 6 régions aux espagnols. C'est quoi cette merde? Wow! What the fuck, quitter? Revenir au bureau? Non mais sérieux, je suis occupé à filmer quelque chose qui a rien à voir avec avec Dark. What the fuck? C'est quoi ça? Je crois que le fait que t'as rétréci n'empêche, j'ai été d'un synchro, non? Ah non, c'est bon. Voilà, c'est bien, c'est mieux. Demande refusée. Tu es pas gentil à France. Elle est pas gentille, la France. Ah, la France. Je lui demandais juste un bout de son territoire. Ah ouais, bah tu crois qu'elle va quitter? T'inquiète, tout ça. Non, mais t'es sérieux, il faut pas lui demander ça, hein, il va te déclarer la guerre après. Toi, tu lui as demandé quoi, son territoire? Bah, je sais pas, j'ai pas pu regarder. C'est sérieux. Oui, c'est l'event là. Bah, à mon avis, la France va se préparer à la guerre alors. Bah, on est quand en 1937. Je vois pas quel territoire, moi. Allez. L'Espagne républicaine a échoué à voir nos plans. Oui. Mais toi aussi, tu veux jouer qu'à la guerre, l'Espagne républicaine? Les États-Unis sont ravitaillés! C'est bon, les gars, arrêtez de réembarquer, ça sert à rien. Redéploiement stratégique. Et voilà. De toute cette merde là. Non, c'est fini. Une guerre qui n'a servi à rien du tout. Je suis ravitaillé. J'en pleure de joie. What the... Il y a 9% de chance que la petite colonie au niveau du Brésil se révolte. Lol. Et t'es pas content? C'est bien, non? Ah, pourtant oui. Allez, je vais laisser. Ah, c'est ça. Comme c'est comme au niveau de l'Irak. Ça veut dire que j'ai assez de convois, ça. Ah oh, ouais, mais il y a encore plein de trucs qui ont pas assez de convois. Faut que j'en fasse de nouveau. Alors, mais au moins les États-Unis sont ravitaillés et je peux à nouveau remettre des gens dans les troupes. Putain, 80 dans les renforts, 80 points. En fait, les États-Unis m'ont rien fait du tout. Ouais. C'est plutôt les pertes par usure parce que j'avais pas de ravitaillement. Putain. Fait chier. Ça y est, l'Espagne est presque mort, vraiment presque. Putain, j'ai presque 1 million de morts à cause de cette merde. Sérieux? Oui. Pourquoi tu perds combien par usure? Je perdais à chaque fois 100, 200 et des trucs dans le genre, mais j'avais à peu près 40 unités qui perdaient 100, 200 à chaque fois. Non, sérieux, là, tout ça. Donc à chaque mois, enfin non, un peu plus que chaque mois, je pense que c'est chaque jour. Je prenais 200 pertes par division et 40 divisions, donc ça faisait beaucoup quoi. Bon. Là j'ai 951 pertes depuis le début de la game. Non, oui. 951, un millier de pertes, désolé. Oh, mais sérieux? Ouais. Ah, violent. Ouais, c'est violent. C'est bien fait pour toi. Connard. Il manquait la violence. Je vais accepter les accords avec l'Autriche, hein, puisque c'est comme ça. L'Autriche m'a demandé de lui passer de l'acier. De toute façon, elle est bientôt plus existante. Oh bah alors je vais en passer à l'Allemagne. De quoi? De l'acier. T'es pas contre? Dans tous les cas, dans tous les cas, les ressources que tu vas lui donner ou que tu vas donner à l'Allemand, ça va lui revenir à l'Allemand. Oui, mais même, je vais lui passer journalier, plein de ressources. On est quel jour, là? Le 27 août 1936. 1936. Voilà. Luxembourg, qu'est-ce que tu veux, Luxembourg? Il y a moyen de redémarrer la partie, là, parce que... Le petit japonais. Attends, ouais, t'as planté? Ouais, j'ai planté. Regarde.
Ouais, je vais sauvegarder. Donc, on va faire une petite ellipse. On se retrouve directement après. Voilà, fin de l'ellipse. Apparemment, je suis une baltringue. Désolé, mais je ne suis pas pour ça. Je vais faire une grosse flotte et anéantir la tienne. Tu pourras plus bouger de ton île. Tu vas voir, toi. Vas-y, je t'attends. Oh là là, il est sérieux, ce mec. Tu me mets au défi en plus. Tu sais que c'est pas une bonne idée, hein. Je le sais, espèce de gros dictateur. Ah. Mais je suis un peu un mangeur de nouilles là, hein, fais gaffe. Espèce de mangeur de nouilles et bientôt de sushi, mec. Ah non, le sushi, ça a toujours été sushi. Dans la vraie vie, pas, mais dans le jeu, ouais. Mangeur de nouilles, non mais sérieux. C'est quoi ce mec? En 38, j'aurai les 10. Oh, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Ah, la Chine nationaliste. 6. Non, je vais garder mon argent, monsieur. Ok. Je peux pas, comment tu veux, mon argent? C'est normal, hein. L'argent c'est précieux. J'en prends tout le temps, plein. Mon précieux. Pourquoi cette organisation des nationalistes, elle monte plus vite que celle des républicains, alors que les républicains, je leur donne des masses à peine. C'est parce que il y en a un qui sait gérer le ravitaillement et pas l'autre. En fait, si tu veux, les républicains, ils vendent le ravitaillement. Ah, c'est les... En fait, ils font le monopole du ravitaillement. Ouais, à peu près, ouais. Donc, à chaque fois qu'ils reprennent du ravitaillement, ils le vendent pour acheter d'autres trucs. Enfin, c'est l'IA républicaine est conne, clairement. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Je sais même plus ce que je faisais. Ah oui, les techs. Je vais bientôt avoir raffinage du pétrole 2. C'est cool. C'est bien. It's a very good. Voyons voir. L'allemand. What? Oh non, USS. C'est pas bien, USS, de voler mes plans de sous-marins long rayon d'action. Non, mais où? Ah ouais, en fait, juste au cas où, t'as trop de sous-marins dans ta production. Enlève-moi tout ça. Mets des divisions d'infanterie ou des trucs dans le genre, parce que sinon tu vas te faire exploser. Non, laisse les sous-marins, c'est bien, t'as raison. Laisse-les. Faire pisser, écoutez. Le japonais que le Royaume-Uni. Laisse-les comme ça, mes bateaux ils vont se faire un plaisir de se faire massacrer, hein. Bon, ça dépend, hein. T'as beaucoup de destroyers, toi, non? En tant qu'anglais. Ah ouais, j'ai beaucoup de tout, en fait, tout simplement. Ouais, non. On enlève ces trucs-là, ils vont se faire niquer. Après, j'ai aussi beaucoup de porte-avions, hein. Ouais, mais ça, moi aussi, tu vois. J'en ai plein en production en plus. Enfin, plein d'origine. C'est pas trop tôt. J'en ai au moins une vingtaine. Ah ouais, quand même. oui, tu vois. C'est pas trop tôt ce que j'attendais là. De quoi? T'attendais quoi? Mon porte-avions 1. Ah oui. Ouais. Alors finis-le, de toute façon, à mon avis, pour maintenant, tu sais. Ça va pas te servir à grand chose tout de suite, tu sais. Dans tous les cas, il va se faire éradiquer. Non, pas dans tous les cas. Il pourrait réussir, mais il lui faut beaucoup de conseils pour ça, à mon avis. Ouais, pour lui, tu lui donnes beaucoup d'espoir, hein. Bah, moi, je sais que j'arriverai à redresser le pays, donc j'ai suprématie aérienne. Je peux estimer qu'il pourrait y arriver, avec un peu de bonne volonté et beaucoup de chance. Ouais, chance, pour ma chance, c'est un peu trop tard. En fait, t'as fait des usines au moins, ou pas, au début? Il y avait le truc de base d'usine qui était déjà dessus. Ouais, le truc de base. Pas oui, bien. Mais ça allait. Le seul problème, c'est qu'il a 6 et quelques de dizaines parce qu'il n'avait pas fait de... Comment on dit? Il n'avait pas fait de... Enfin, il avait mis pas assez dans les biens de consommation, quoi. Du coup, il s'est pris 6 de dizaines, quand même. Ah, bravo. Et là, il va devoir tout enlever, ce qui met plus de temps à enlever plutôt qu'à remettre. Non, pas spécialement. T'appuies sur la croix et après Enter, ça va très vite. Quoi? Tu appuies sur la croix et après t'appuies sur Enter, ça va très vite pour enlever, je trouve. Bon. Quelle croix? Bah, t'as une croix, normalement, sur... Comment dire? C'est pour... dans ta production... Pour enlever les trucs, t'as une croix. Bon, c'est... Tu n'utilises pas de croix, toi? D'accord. Non. Bon.
bah c'est bizarre parce que enfin quand tu vas dans ton économie, dans tes trucs oui. de production, t'as le nom de ton truc avec transport, la date et tout bazar, le nombre de trucs que tu as fait, et en dessous du nombre t'as une croix pour annuler le développement, pour enlever. Ah oui. Ouais, donc pour enlever le truc ça va plus vite que... Enfin, tu parlais peut-être de la dissidence toi. Oui. Ah voilà, d'accord. Alors oui, non, ça met beaucoup plus de temps de mettre d'enlever la dissidence que de la mettre, oui, j'avoue. Surtout qu'il était à 4%, hein. Enfin, il était à plus 0,04 de dissidence par jour. Moi, je suis à moins 0,01 parce que là, je suis à 9,79 de dissidence. Ah, bah, c'est bon. C'est plutôt pas mal, ça. Ça va encore. Moi, je suis à 5,08 de dissidence, mais ça baisse vite, donc... Moi, je vais commencer à me dépêcher de relever la dissidence, parce que ça va me saouler. En plus, j'ai des élections à faire. Des élections? Mais ça te sert à rien, toi, des élections. Tu vas devenir dictateur, non? Ouais. T'aimerais pas avoir une Angleterre dictatoriale? Enfin... Je dis. Dictatorial, ça se dit pas, je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas ta faute, on sait que t'es bourré, c'est pas grave. Mais faut pas le dire. Non, je suis pas bourré, pas encore. Un jour, j'essaierai peut-être de faire une vidéo en étant complètement bourré, mais pas tout de suite. C'est toi qui m'as dit que tu fumais beaucoup. Ouais, je c'est vrai que je bois beaucoup, mais bon, quand même. Oula, c'est quoi ce bazar? Quel bazar? T'as remarqué que... Un de mes ministres sont morts. Oui, c'est normal. Des ministres qui meurent, c'est normal. Quoi? Ça arrive de temps en temps. La question, c'était quel ministre est mort? C'est surtout ça, la bonne question. Ah, les ministres. Ouais, parce que si c'est... Si c'est l'inventeur des V2, tu seras légèrement dans la merde. C'est une Benbourg, non? Ah oui, si c'est une bourg, ça devrait aller. Normal, c'est historique. Ouais, c'est vrai. Alors, en plus, il était même plus au gouvernement, lui. Tous les ministres, c'est normal hein, qu'ils meurent. Hein. Et c'est... Ils sont tous par contre, dans... si t'as tous les ministres qui meurent en un coup, là, tu dois te poser des questions, quand même. Ouais, quand même. Ouais, bah, si tout le monde, tous les pays veut tuer le ministre de l'Allemagne, on se demande pour quelle raison. Mais pourquoi génial, tu me demandes du fric comme ça, toi? Bah, pour... Et en plus, pour tu me donnes la plante de pétrole, faut pas, hein! Pour faire des sens d'influence! Je veux bien faire un truc où tu me donnes de 200 de. Enfin, non, plutôt que je te donne 200 d'argent contre une tech, mais. Enfin, faut pas abuser non plus. Donc. C'est quoi ta tech? C'était recherche atomique. La première partie de cet épisode est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos. À plus.